centre ici qui est à l'heure, question nomination, employé nous gagne un système qui est nommé, qui n'a pas touché. Moi-même, je touche un point sensible, je ne dis pas. Nous-mêmes qui travaillons dans le système éducatif, là, nous connaissons que c'est important pour nous gagner ça gagne de sécurité. Là. Nous gagnons une revendication que nous-mêmes dans notre retraite, nous recevons, c'est l'incapacité qui gagne et le problème qui gagne pour nommer. Contractuel qui qualifié et compétent. Plus précisément, nous avons une revendication pour PNCS, qui est le Programme National de Cantine Scolaire, qui est une branche dans le ministère de l'Éducation nationale. Employé PNCS existait depuis 1947, qui quasiment va le faire 36 ans. Jusqu'à maintenant, le processus de nomination n'a jamais arrivé à aboutir. Nous demandons tant pis pour le ministre de Fontichita sous ça, parce que c'est important, parce que nous avons un processus PIA qui est difficile. Là où il y a des employés contractuels qui ont depuis 26 ans, qui n'ont pas de droit à assurance, qui juste a géré des chèques, qui connaît que les juste 12 mois, après 12 mois, ça a été couru, parce que c'est important. Et il y a même cas des gens qui passent 53 ans, 54 ans. Qui assure ce qui qui l'autre avantage au Cap-Bali après parce que nous dépassons l'âge là pour entrer dans la question de nomination. Parce que c'est important pour nous pencher nous sur ça, surtout quand PNCS qui a 26 ans, qui n'a jamais besoin de nomination. Nous demandons tant pour le ministre de Fontichita. Avant nous finir avec la question, il y a l'autre syndicat dans le système non? Qui croit Nesmi Maniga, c'est un homme qui crase le système. Nous-mêmes dans le syndicat, nous avons été chargés sur le ministre, mais nous sommes de l'autre monde dans le système. Non? À aucun moment dans la conférence, on ne peut pas nous être chargés de ces managers. Au contraire, si nous avons dénoncé aujourd'hui, par exemple, conditions de travail, on va dire, ça m'a toujours avec le passé, on va dire, il faut nous aller sur le Babiola. Aller Babiola, dans le moment, on va parler à la France FCA, tout le monde a besoin, on va dire, tout le monde a besoin pour le boulot. On est obligé de cacher nos machines dans la voie pour vivre, et si tu as des gens, c'est soit dans le voisin avec Maoud, ou pas qu'à venir féliciter pour ça. Si tu as des Delma 83 là, c'est même pas là, ça veut dire, côté ministre, c'est une bagaille. Il y a des jobs, l'opéra, il faut que les gens aient une liberté pour travailler. Mais nous connaissons des cas là. Par exemple, sur le ministre, il y a une décision pour délaisser le ministère. Mais il y a des gens qui connaissent là, c'est le ministre, et c'est mettre cas là. Il y a bien quoi pour le ministère déplacer. Ça veut dire que c'est soit mon a oublié, c'est soit le démissionner. Là, on a demandé soit le démissionner, mais si vous êtes tout, il faut permettre la situation de résoudre. Ou aller dans la zone, comme on a un site qui est plus ou moins, mais soit aller là, pas de courant, même toi, aller pas de flocher. On ne peut pas arrêter dans l'espace de ça. Si vous allez toujours là, dans deux groupes, côté ancien local, mais c'est intérieur, à vérifier pour eux, blackout, même les gens qui ont toilette sous sacté là déjà, c'est une situation qui est déplorable. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous seul ça nous dit, nous féliciter la décision. Le ministre de la Sécurité, ce n'est pas pour papier. Ou même là, on a besoin de service, ouvrir une babiole. Comme on a besoin de papier dans 3 jours. Nous avons besoin de long mois, et bien, comme on a dit, nous avons 10 000 gouttes pour le prendre. Nous ne pouvons pas tolérer ça dans le système. Ça, c'est le ministre de la décision, ça nous disposons à applaudir parce que le papier fait gratis. Nous avons besoin d'acheter un thème dans un récépissé dans la DGI. 200 gouttes pour venir légaliser au papier, on va dépenser 15 à 25 000 gouttes au papier. Et ça, c'est des situations, c'est des décisions qui prennent, que nous-mêmes nous avons dit. Je dis à nous, si nous trouvons des employés qui sont victimes, des employés qui sont victimes sur les noms, c'est sur ce qui nous a donné. Pendant ce temps, on a paquet l'argent qui a gaspillé, on dit FND, c'est le Fonds National d'Éducation. On a de l'argent, nous avons posé des questions sur l'argent FND. Pendant ce temps, on fait un appel comme la rentrée. Ou font transfert comme la rentrée. Ça veut dire que ça va rien la douane. Ça va pas faire la douane comme la rentrée. Ça veut dire qu'on peut direct. Mais comme ça, on fait dire qui ça a fait. Qui ça a fait pour nous qui dans le système. Non, pendant ce temps. En tant que capitale, là, là, il y a l'école nationale, c'est la douane. Mesdames, ils vont rentrer dans la latrine, dans la toilette, ça. Ils sont la toilette. Ils sont la toilette, aller dans l'école, on sait de l'école, aller dans le jour, aller dans les lacs, la souche de massacre, aller avec le palais national. Au paquet de l'école nationale, là, c'est dans la latrine, si vous allez dans la latrine, des dames. Comment on comprend que si on continue à aller dans la latrine, c'est vous qui le retirez pour la toilette après ça vous remettez. Avec l'autre dit ça, ce n'est pas ministre, ce n'est pas nous qui m'aider, ou pas m'aider pour le ministre, c'est des réalités. L'école n'a pas de l'eau. Si vous n'avez pas dit que l'école nationale est moyen pour mettre de l'eau dans l'école, c'est vous qui avez acheté un camion, vous qui avez fait des bagages. Mais la situation là, dans le temps, vous n'avez pas inventé. Vous là, ça veut dire.
Moi, je dis, le ministère de l'Union a pris la décision pour déplacer le ministère à aller en face de planification. Évaluation faite par Génie Scolaire, tout va être fait. Monsieur Sao qui est Tikaï Sao, qui va être représentant Tikaï Santi Sao, excusez-moi pour ça. Il a fait pression juste sur le Kala pour ne pas vendre le ministère à Kala, le ministère responsable Kala a décidé de faire. Yes, monsieur Sao. Mais même quand j'ai géré Tikaï Babiolo, quand j'ai géré Delma 43, tout le monde a fait un peu de suite local Delma 43. Et en plus là, c'est des gens qui proposent, ils ne sont pas le premier ministre pendant ce temps, ils ont fait preuve dans la primature avec Kaïsa. Kaïsa va répondre, là, il fait conférence à Delma 43. Comme vous, il y a ces missions, il l'inspection générale. Parce que lors d'entrée Delma 60, nous-mêmes, nous avons trouvé une conférence à Delma 43, ce côté en toilette, ça compte tellement senti parce que c'est pas bien. Même journaliste, pas 40 dans l'espace. C'est des bagages qui là. Je ne vais pas lâcher Kaïsa sur le côté ministre seulement. Mais c'est des gens dans le système qui ont beaucoup dans ça. Par exemple, vous comprenez comment on fait? On dit qu'on sait d'équipe qui est là. Nous d'accord, pourquoi on avance ça? Pour l'autre équipe qui vient, il décide pour aller faire mon caille, il prend même des détails. Par la conférence, moi, je fais, je dis qu'on caille Delma 71 là, le ministère a payé l'espace là, mettre qu'à la fin toucher comme là, le séparer là, de lui prendre l'autre espace à l'avant. Mais ça a été fait, c'est réel, je demande pour négocier avec Kaï, faire pression sur moi. Il n'y a pas grand-chose jusqu'à maintenant, on paye pour ça qui sont fait là. Chaque soir, dénoncer cette annonce, vous faites parler de problème là, au lieu de ce monde pour résoudre. Visiter Kadelma 60 ans là, pour moi c'est député lui. Ma principale espace là, c'est un matériel libre, c'est à mourir en balabé. L'autre partie a été séparée avec notre tour. Allemand a dit ça des ministres, Allemand des ministres, Allemand des ministres, c'est mon travail. Ça c'est des réalités, nous même dans le syndicat, nous constatons, nous dénonçons, mais jusqu'à présent, on va en fait. Mais l'employé a tout, mais il va mourir dans le local là. Mais ça qu'a fait, vous obligez toujours venir. Présente des conférences pour dénoncer, mais ça va être découragé. Pour FNE, c'est le regroupement national des travailleurs haïtiens en éducation, capable de faire ses positions par rapport avec ça qui a passé dans le pays. Position entre la question de la sécurité, qui a travaillé dans le pays, et en pile l'impact sur le système éducatif. Et en pile l'école qui est dans une zone aujourd'hui, non seulement l'école ça a fermé, et tout le monde ça a fait un peu de aller. Et il y a des gens qui ont fait un examen officiel et qui ont fait un examen pour vacances qui ont là. Et il y a des employés du ministère qui sont victimes. Par exemple, récemment, dans la bataille entre Solino avec Ibele, il y a des employés du ministère qui sont victimes. Ils sont obligés de se faire dans le site du ministère au ministère. Et c'est des situations que nous-mêmes nous demandons pour le ministère d'accompagner les gens parce qu'ils ont des moyens pour ça. Par exemple, Il y a des gens qui sont importants. Dans ce site, il y a des gens qui travaillent, par exemple, des personnels et des personnels de sécurité qui sont sur le site, qui ont une bataille avec un conseil des gens qui font pression un peu pour entrer dans ce site. Et c'est eux qui campent là. Et parce que le ministère doit accompagner dans ce sens. Les employés ont été dans ces zones, par exemple, des plusieurs employés qui ont été faits dans ces zones chaudières qui ont abandonné. Employés, non seulement ils ne sont pas touchés à l'air. Employé ça, il va toucher gros. Et je vous dis à la même caille, il va payer. C'est caille, il y a pour l'école pour dormir. Dans ce sens, la pandémie ministre, pour lui, par contre, c'est son commission, pour lui mettre sous pied, pour évaluer et l'école ça, déplacer. Et on sait des employés ministères, toujours dire, qui ont besoin de côté. Et même le travail, il va faire un travail facile, parce que il va pas côté pour l'arrêter. Et côté où ils dorment, ils ont accès, parfois même ils ont besoin de travailler. C'est des situations qui sont regrettables, on est obligé de parler de ça. Et pour question assurance, au Fatma, je ne dis pas, pas utile, aucun emploi est là. Qui tout est arrivé dans la justice, santé publique, n'importe quoi doit aller, quel soit le monde qui travaille dans la fonction publique, tout pour avoir cette aujourd'hui, et au Fatma, je ne dis pas, pas emploi est là. Je dis à petit comme, pour le monde dépenser pour césarienne dans l'hôpital privé c'est 150 000 gouttes. Pendant ce temps, au grand cas d'assurance, l'État prélevait comme l'assurance chaque mois. Ça veut dire depuis chez vous paraître, vous voyez, vous prenez comme sous. Pendant cette assurance, ça va être loin. Moi-même, quand c'est des déceptions, on prend dans l'hôpital privé. Moi-même, ça arrive dans l'hôpital privé, malé, logé cas d'assurance. Je vais demander pour me avec ça. Pendant ce temps, on va conseiller l'autre monde, vous avez conseillé des cas d'assurance privée, vous prenez en charge, vous avez tout traitement possible. Comment faire l'État prend comme sur tout employé qui travaille dans la fonction publique là et puis il prend comme d'assurance, parce que ça va être loin, il ne va pas rien. Et ça qui est plus grave là, quelqu'un de l'hôpital qui prend 4 assurances ça. Depuis son médicament qui est plus cher, l'autre médicament ça va pas sur l'assurance. C'est un petit bagage 1000 gouttes, 1500 gouttes.
l'hôpital qui reçoit le là, nous sommes d'accord pour lui. Depuis son médicament, par exemple, quand on voit qu'il est malade, on crée un médicament. Par exemple, l'hôpital, donc tu as compris que 120 graines de comprimés, chaque graine vend 1184 graines. Pour que les gens ne voient pas les graines pour l'acheter, depuis ce bail plus cher, l'assurance là, l'hôpital qui reçoit le là, il va être couvert. Et ensemble des décisions du ministère de Maniga prend dans le système. Gagné là d'ailleurs, nous questionnons, pour ça tout gagné, nous estimons ces bon bagaille. Par exemple, question papier baccalauréat. Nous connaissons un peu le monde, par exemple, qui ont sollicité pour mener nos papiers dans le ministère. Mais qui ces journalistes viennent n'importe l'autre monde, nous disons, juste bon fiche là, m'a fait subir pour nous papier. Ça veut dire pas que comme vous baille ça. Et malheureusement, moi, c'est des gens malhonnêtes, soit dans le système, non, avec les gens dehors, qui prennent 10, 15, 20 000 gouttes dans les gens pour papier ça. Pendant ce temps, le ministère va réclamer aucun gouttes pour ça. Et pour légaliser un papier baccalauréat, si toujours dis à vous marchez pressé, vous n'avez pas de programme Biden, toujours un papier baccalauréat, et bien, il y a des gens qui ont tout profité de faire comme avec ça. Il y a des gens qui ont besoin de papier, soit pour vous dire, ou bien pour aller en Biden, ou bien pour demander 500 $ américains en Biden. C'est des bagages qui font. Nous devons prendre un problème pendant ce temps, ce qui fait gratis. Pour le DGI, ou acheter un récépissé, pour 200 gouttes, et puis vous venez dans le ministère avec elle, pour faire procédure, par contre, pour le ministère pour vous légaliser le papier. Ça, c'est des bagages que nous devons mettre l'accent sur nous. Pour nous dire tout le monde, qui a gardé nos capitaines de noir, l'éducation nationale va réclamer aucun corps pour grand papier. Et si vous avez n'importe quoi, nous, journalistes ou quoi que ce soit, qui vont, ils sont responsables, nous devons nous faire contact avec l'équipe de notre là, pour accompagner nous, pour faire notre papier. Sans l'argent, nous ne pouvons pas prendre des décisions comme ça pour faire papier pour nous. Mais si nous demandons l'argent pour papier, pour le faire pour nous, nous mettre en contact et nous laisser en apprendre. Suivi d'affaires avec ça. Et pour finir, nous avons dénoncé le comportement du cadre criminel responsable ministre des Finances. Donc c'est des contractuels qui nommés, ça sont les slogans, ça 72 mois là-dedans. Et nous avons fait tout, plus fort que nous avons. C'est les gens qui ont dit son départemental. Ça veut dire que mon mépris responsable dans le ministère, même là, il y a des gens qui travaillent dans la direction départementale. C'est pour que nous détachions des gens qui sont dans le bureau central avec le département, c'est des différents. Oui, ça, on garantit que si les gens sont dans le bureau central, ils gagnent l'année, ils ont un problème pour eux. Moi, je suis avec le ministre sur quelque chose. Il dit nous, on va aller. Nous sommes avec l'administrateur, il dit nous, on va aller. Nous sommes avec le directeur de ressources, il dit nous, on va aller. Ça veut dire que nous avons 3 ou 4 versions officielles. Les responsables ministères sont même dossier. Qui dit que vous allez vous faire payer? Qui est là qui dit que vous allez indemniser? Vous avez dit que vous allez vous. Et puis vous forcez aussi un désistement. Vous avez dit que vous allez vous faire un chèque là, mais vous allez vous faire un chèque. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas dans le système. Que nous-mêmes, en rentrée, que nous n'êtes pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui nous là, qui ont 53 ans. Le finance il va payer. Pendant ce temps, on a 15 ans de bilan de ministre, avec il va rentrer à 53 ans. Et loi sur fonction publique l'a dit, automatiquement, on rentre sous contractuel, quel que soit le ministère, là, après un an, soit après renouveler le contrat, ou renommer le parce qu'on estime le service qui est important dans le la travail. Que ça va bien faire. Il y a des gens qui ont 25 ans sur contrat. Nous ne pouvons pas nommer. Et le reste, nous ne pouvons pas payer. Ça qui est étonné, nous ne pouvons pas citer dans le monde parce que nous n'avons pas les responsables. Et 71 ans d'âge. Nous payons parce que les gens qui sont marins apparaissent. Nous payons. Et puis, que ça veut dire, les gens qui sont 23 ans, nous payons. Nous avons demandé au ministre de l'Aniga, administrateur ministère, directeur responsable des ressources humaines, pour prendre responsabilité, pour le nommer, pour continuer avec le processus de nomination de Mounsa. Nous payons. Mais nous ne sommes pas d'accord pour retourner Mounsa sous contrat et ni forcer pour désister. Il y a une dame dans la grande salle qui a un cancer. Dans le niveau avancé. Il contacte nous dans le téléphone et il m'a dit est-ce que la petite est mourue? Non seulement des marchés longs, nous payons, nous même demandé pour cotiser là pour faire un bagage pour nous. Pendant ce temps, nous sommes rentrés dans le système depuis 2013, à aujourd'hui, il y a 10 ans. Le ministère n'a pas fait un pour nous. Malgré moi, je suis des responsables, je ne parle pas avec vous pour accompagner jusqu'à maintenant pour vous. Ça veut dire, l'employé de l'éducation nationale, c'est au plus maltraité parce que je ne parle pas là. Employé de l'éducation nationale dans tout le département, vous pouvez toucher le mois de février. Vous pouvez toucher le mois de février dans le moment. Ça veut dire, même l'État ça encourage les gens pour qu'ils aient des armes. Par exemple, on a touché 10-15 000 gouttes dans le système. Il
Mais nous, dans le mois d'avril, pour le mois de février, pour qui sont-ils pour faire? Vous êtes là pour faire la quête, vous êtes là pour faire des armes, ça veut dire que les gens qui sont dans l'arrière, ils ne sont pas aux chances de tuer, ils ne sont pas pour les tuer. Mais c'est des comportements, c'est des côtés où ils travaillent. Moi-même, il y a des gens qui ont des armes aujourd'hui, c'est des gens dans l'État qui travaillent, mais ils ont tellement fait wabi. Il y a l'entrée dans le groupe, c'est des gens qui ont fait wabi dans l'État. C'est de l'autre bout. Très prochainement, nous allons avec Zam dans la rue, nous ne connaissons pas. Mais l'essentiel, fort ministère, le ministère de l'Éducation nationale, garder pour voir comment il est capable de rapatrier tout le monde pour mettre dans l'autre espace pour faciliter si tout le monde reprenne chez l'école. Et on s'est dit employé tout le ministère qui est victime. Employé ministère qui est victime. Par exemple, dernièrement, il y a un affrontement entre Belé avec Solino. Un paquet de cartouches qui tombent dans l'espace ministère, dans le bureau, dans la zone. Et que des employés sont obligés de venir dormir dans le site de la zone. Et les employés sont victimes, dans ces autres zones, par exemple, et Torsel, Anlais et Forjac, nous sommes victimes, ça veut dire que nous avons des ministères pour accompagner les gens, pour mettre les gens côté priorité, parce que les employés ministères, depuis 10, 15, 20 ans, ça veut dire que les ministères accompagnent. Et nous profitons de ce moment pour nous dénoncer la question de mauvaise gestion de l'assurance au Fatma. Pas de monde dans la fonction publique qui se pose la question. Je dis à son assurance au Fatma, la double assurance. Avec dit pas d'assurance au Fatma, oui. Et si vous avez madame dans la fonction publique là, ou bien une femme qui travaille dans la fonction publique là, pour vendre, c'est césarienne pour le faire, puis petit comme vous le dépensez, c'est 150 000 gouttes. Pendant cette assurance, vous avez permettre de dépenser entre 20 à 25 000 gouttes. Mais, mauvaise gestion dans la question au Fatma fait que l'assurance n'a pas été aucun emploi à l'État. Dans ce sens, il faut le ministre de Finance, à travers au Fatma, faire effort pour permettre l'assurance de fonctionner bien pour l'employé. Et troisièmement, c'est mauvaise condition travail, employé, éducation nationale. Nous connaissons très bien le ministère de l'Éducation nationale, recouper nos paquets de sites, nos paquets de local qui ne répondent à aucune norme, aucune condition pour l'employé travail. Pas de toilette, et chalet, pas de courant. Ça veut dire, employé, ça y est, il y a tout fait dans ces sites, depuis environ 15 jours, pas de courant. Et le ministre de la Santé fait effort. Nous après, le ministre de la Santé fait effort pour déplacer le ministère pour mettre dans le local. Mais mes petits locales, ça a fait pression sur le responsable local pour le ministère de le groupe d'employés. Le responsable a obligé de décliner, il dit qu'il ne peut pas vendre le ministère espace encore pour malgré l'évaluation qui est faite, il ne peut pas vendre l'espace.